Toujours en bref, le verdict dans l'affaire de l'homicide de Saint-Flovier est tombé hier soir. Yvon Carrasco a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa femme en novembre 2008. Cet homme de 61 ans faisait valoir un pacte suicidaire, mais l'avocat général avait pointé du doigt ses contradictions. L'autopsie avait également montré que l'épouse Marie-Josée s'était débattue lorsqu'elle avait reçu plusieurs coups de couteau.